Penandatanganan Rencana Aksi Peningkatan Kemitraan Strategis Indonesia-Prancis 2022-2027. La cérémonie de signature du plan d'action d'approfondissement du partenariat stratégique entre l'Indonésie et la France de l'année 2022-2027. Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Urusan Eropa Prancis. Signé par le ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Yang Mulia, mohon kesediaan menunjukkan rencana aksi untuk didokumentasikan. Votre Excellence, veuillez montrer le plan d'action pour des fins de documentation. Terima kasih. Merci. Yang Mulia dan hadirin sekalian, acara penandatanganan telah selesai. Mohon memberi ruang untuk persiapan pernyataan pers bersama. Terima kasih. Minister Le Drian, teman-teman media. Minister Le Drian, Jean-Yves, bienvenue à Jakarta. Merupakan kehormatan dapat menyambut sahabat saya, Menlu Prancis pada hari ini. Dalam tiga bulan ini, kita sudah bertemu tiga kali, yaitu di New York, di Roma, dan sekarang di Jakarta. Selama kunjungan ke Jakarta, Menlu Prancis juga antara lain sudah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, akan melakukan pertemuan dengan Menko Maritim dan Investasi, serta akan diterima oleh Bapak Presiden pada siang hari ini. Teman-teman media yang saya hormati, Prancis adalah salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Prancis merupakan mitra dagang kelima terbesar dari Eropa dan investor terbesar kedua dari Eropa bagi Indonesia. Dalam pertemuan bilateral tadi, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tahun ini merupakan tahun ke-10 sejak Indonesia-Prancis memiliki kemitraan strategis. Dan guna memberikan arah yang lebih jelas bagi penguatan kemitraan 5 tahun ke depan, pada hari ini baru saja kita telah menandatangani Plan of Action for Deepening of Strategic Partnership between Indonesia-France for the period 2022-2027. Beberapa prioritas dalam rencana aksi tersebut antara lain kerjasama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi, dan maritim. Pada tahun depan, Indonesia-Prancis merencanakan untuk melakukan dialog maritim yang pertama kalinya. Ini merupakan langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut. Kedua, kerjasama kesehatan akan dilanjutkan dalam konteks memperkuat arsitektur kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang. Untuk vaksin, Indonesia menyampaikan apresiasi rencana tambahan dukungan vaksin sebesar 1 juta dosis dari Prancis. Sebelumnya, Prancis telah memberikan dukungan 3,8 juta dosis vaksin AstraZeneca kepada Indonesia. Ketiga, kita sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, khususnya tahun depan. Indonesia akan memegang presidensi G20, sementara Prancis akan memegang presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2022. Oleh karena itu, kita sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terhadap beberapa isu baik yang terkait dengan G20 maupun isu yang terkait dengan Uni Eropa. Dan saya sampaikan kiranya terjadi kemajuan yang signifikan dalam perundingan Indonesia-EU CEPA semasa presidensi Prancis di Uni Eropa. Hal yang keempat yang saya bahas adalah secara khusus kita juga membahas mengenai pentingnya perdagangan yang adil, terbuka, dan non-diskriminatif. Perdagangan yang adil, terbuka, dan non-diskriminatif akan berkontribusi banyak bagi pemulihan ekonomi. Perdagangan yang adil, terbuka, dan non-diskriminatif akan sangat membantu pencapaian target SDGs yang menyisakan waktu 9 tahun lagi. Saya menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau
ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan demikian, sustainability yang sesungguhnya akan dapat tercapai. Selain itu, kita juga harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan. Yang kelima, kita juga membahas kolaborasi mempercepat transisi energi. Kita jelaskan bahwa transisi energi merupakan salah satu prioritas presidensi G20 Indonesia. Transisi energi bukan merupakan opsi, namun merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kolaborasi diperlukan untuk mendukung proses transisi tersebut, antara lain melalui investasi dan teknologi transfer. Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Perancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro. Komitmen ini akan ditandatangani pada hari ini antara Kementerian Koordinator Bidang Maritim Investasi, PT PLN, dan Agen Pembangunan Perancis atau AFD. Yang keempat, kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan. Sebagaimana diketahui, kedua negara telah menandatangani kerjasama pertahanan pada Juni 2021. Dan kemarin, Menteri Pertahanan RI telah melakukan pertemuan dengan Menlu Prancis membahas kerjasama pertahanan. Dalam pertemuan, saya ulangi lagi apa yang disampaikan Bapak Presiden dalam pertemuan dengan Presiden Macron pada bulan Oktober di Roma mengenai pentingnya alih teknologi joint development and production dalam kerjasama pertahanan. Dan kita juga membahas penguatan mekanisme pertemuan bilateral kedua negara dengan melibatkan bidang pertahanan, dan kita sepakat untuk memulai pertemuan atau mekanisme 2+2 meeting mulai tahun depan. Rekan-rekan, selain isu bilateral tersebut, kita juga lakukan pertukaran pandangan mengenai berbagai isu kawasan dan dunia, termasuk isu yang terkait dengan Indo-Pasifik, multilateralism, dan perkembangan situasi di Myanmar. Kita tahu bahwa untuk isu multilateralism, upaya memperkuat multilateralism ini sejalan dengan inisiatif yang dikeluarkan oleh Prancis, Jerman di PBB, di mana Indonesia ikut di dalamnya, yaitu Alliance for Multilateralism. Selain itu, Indonesia dan Prancis juga merupakan bagian dari inisiatif multilateral di bidang kesehatan, yaitu Foreign Policy and Global Health. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Selanjutnya, dengan hormat saya mengundang Menteri Le Drian untuk menyampaikan pernyataannya. Jean-Yves. Merci, cher ami, cher Etno. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à remercier ma collègue Retno pour son accueil chaleureux. Nous sortons d'un entretien très riche qui témoigne de la densité de notre relation, et j'ai pu rencontrer hier le ministre de la Défense, M. Prabowo Subianto. Je verrai tout à l'heure le président Widodo et j'aurai l'occasion de m'entretenir avec le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'Investissement, M. Laoud Panjaitan, tout à l'heure en fin d'après-midi. Je veux d'abord vous dire l'attachement de la France à la relation qui la lie à l'Indonésie et qui, depuis 10 ans maintenant, a pris la forme d'un partenariat stratégique que nous allons encore renforcer dans des secteurs clés comme la défense ou les affaires maritimes, notamment à travers la création d'un dialogue maritime bilatéral dont la première session se tiendra au mois de janvier prochain. Nous signons aujourd'hui un plan d'action pour le renforcement de ce partenariat stratégique. 10 ans, oui, je le rappelle, car l'Indonésie a été le premier pays d'Asie avec lequel nous avons choisi de pousser à ce point notre engagement, et le bien fondé de ce choix ne s'est jamais démenti. Cette relation, c'est aujourd'hui une relation politique qui nous permet de travailler main dans la main sur la scène internationale, à l'ONU bien sûr,
où nous agissons ensemble dans la lutte contre la menace terroriste et pour renforcer notre résilience collective face aux nouvelles pandémies qui pourraient nous frapper demain, mais également au G20, dont l'Indonésie prendra très prochainement la présidence. Et nous serons bien sûr à ses côtés pour lutter contre les inégalités mondiales et poursuivre la mobilisation contre les dérèglements climatiques après une COP26 qui a enregistré des progrès notables, mais qui a aussi montré la nécessité de poursuivre nos efforts. Notre relation est aussi une relation économique, déjà substantielle, puisque plus de 200 entreprises françaises sont implantées dans ce pays et qui forment et emploient 50 000 Indonésiens, mais une relation encore pleine de potentialités et d'opportunités, tant il est vrai que l'Indonésie connaît une croissance impressionnante. C'est enfin une relation de solidarité et de coopération face aux bouleversements du monde d'aujourd'hui. Pour aider l'Indonésie à faire face à la crise pandémique qui l'a touchée si durement cet été, nous avons partagé maintenant 4,7 millions de doses de vaccins avec elle. Et pour l'accompagner dans la transition écologique, l'Agence française de développement financera dans ce pays des projets dans les énergies renouvelables à hauteur de 500 millions d'euros. C'est enfin une relation qui fait la part belle à la culture, au savoir et à nos universités. Je suis d'ailleurs très fier de vous annoncer que dès 2022, nous doublerons le budget alloué aux bourses que nous accordons aux étudiants indonésiens pour leur permettre de venir étudier en France, et nous avons hâte de les voir encore plus nombreux sur les bancs de nos universités. Chère Elno, je voudrais aussi vous dire la détermination de la France à continuer à agir pour renforcer l'engagement des Européens dans l'Indo-Pacifique en construisant des projets de coopération très concrets avec nos partenaires de la région, au nom desquels compte bien sûr l'Indonésie. Le socle de cet engagement, c'est la vision d'un espace Indo-Pacifique libre et ouvert, fondé sur des règles de droit et fondé sur le respect de la souveraineté de chaque État, sur le multilatéralisme et sur le refus de toute forme d'hégémonie. Et si la France veut jouer ce rôle de trait d'union entre l'Europe et l'Indo-Pacifique, c'est parce que nous sommes à la fois une puissance européenne et une nation de l'Indo-Pacifique, avec près de 2 millions de nos concitoyens qui vivent dans nos collectivités d'outre-mer, mais 93% de nos zones économiques exclusives qui se trouvent dans l'océan Indien et dans le Pacifique, et 7000 de nos militaires qui sont déployés en permanence dans la région. Après avoir travaillé avec nos partenaires des 27 à l'élaboration de notre première stratégie pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, nous ferons de la mise en œuvre de cette stratégie l'une de nos priorités lors de notre présidence du Conseil de l'Union européenne qui débutera en janvier prochain. Je le disais, nous voulons avancer ensemble sur et par des projets très concrets dans le domaine de la sécurité, de l'environnement, des transports, du numérique ou encore de l'enseignement supérieur. Nous vous en dirons plus en février à l'occasion du Forum Indo-Pacifique que j'organiserai à Paris dans le cadre de notre présidence européenne, et mon homologue a bien voulu accepter mon invitation. J'espère aussi retrouver à Paris, à ce forum, le secrétaire général de l'ASEAN, avec qui j'ai eu un premier entretien ce matin. L'ASEAN joue un rôle central dans l'Indo-Pacifique et nous voulons donc naturellement faire plus avec elle dans le cadre du partenariat de développement que nous avons établi en mars 2020 et bien sûr du renforcement de notre engagement européen dans la région. Cela passera par de nouveaux projets de coopération. Je pense par exemple à l'accord qui a été signé entre le centre de crise et de soutien de mon ministère et le Centre de coordination pour l'aide humanitaire de l'ASEAN. Je pense aussi au projet développé par l'Agence française de développement en lien étroit avec le secrétariat de l'ASEAN pour améliorer la qualité de l'air en Asie du Sud-Est. Ce rôle central de l'ASEAN s'est récemment illustré dans la crise en Birmanie, où le coup d'État a de manière dramatique stoppé l'évolution de ce pays sur la voie de la démocratie et l'a conduit vers le chaos actuel. La fermeté de l'engagement de l'ASEAN lors du sommet du 24 avril mérite d'être saluée et je tenais à le faire avec beaucoup de force aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-Yves. Terima kasih, teman-teman.